ta sœur dans sa magnifique présence. Dieu est présent par son esprit et nous sommes reconnaissants. Nous honorons la présence du Saint-Esprit et on honorera la présence du Saint-Esprit. Nous saluons nos frères et nos sœurs dans la foi. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Avant toute chose, je voudrais dire, vous savez, quand nous avons choisi de déménager ici, on vous a bien dit que le site n'est pas encore fini, dit Amen. Donc la qualité sonore va être arrangée d'ici quelques semaines, ce n'est pas encore terminé. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Mais on est quand même là, on est déjà là. Et on ne partira pas, on restera là. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais vous dire que dans le cadre de tous les travaux que nous sommes en train de faire actuellement, nous avons prévu d'aménager un espace de bus. Je sais que nous savons tous que l'arrêt de bus est beaucoup trop loin et nous allons construire des arrêts de bus là, devant l'église. Et Amen. Oui. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc nous allons aménager des arrêts de bus là, de deux côtés, pour que les voitures se garent un peu plus et les bus s'arrêtent là. Quelqu'un dit Amen, gloire à Dieu. Voilà. Qui va le faire? Qui va le faire? C'est nous qui allons le faire. Et nous, c'est la communauté, nous, c'est l'église, nous, c'est la famille. Dis Amen. Dis-moi Amen. Et la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, nous aurons toute la semaine, donc la semaine de Noël, la semaine du 24, je le dis déjà avant que le modérateur ne vienne, mais la dernière semaine, dis avec moi la dernière semaine. Voilà, la dernière semaine, non, il faut que ça change. La dernière semaine, on aura une semaine de prière. Ça sera une semaine de prière. Toute la semaine, ça ne sera pas jeûne et prière, ça sera juste prière. Donc, je sais que pour certains, le 24, vous allez chez vous, chez vos parents, allez-y. Nous, on va rester là, on va prier. Voilà. Celui qui doit partir, part. Celui qui doit rester, reste. Mais l'Église doit être en prière. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, ICC, nous devons être en prière. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe tellement de choses. Ce n'est surtout pas le temps d'être distrait. Tu manges, puis après tu pries. Tu pries, puis après tu manges. Mais il faut prier. Donc, Dieu veut que nous soyons en prière. Nous allons prier pour que le royaume de Dieu se déploie encore davantage et que la volonté de Dieu soit établie au Congo-Brazzaville et dans toute la sous-région. Quelqu'un dit Amen. Ta voix doit compter. Voilà pourquoi quand on parle de prière, ta voix est utile, elle doit compter et elle sera entendue. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors bien-aimés, ce matin, je voudrais continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous sommes toujours dans notre phase d'installation, de déménagement et d'aménagement. Voilà pourquoi nous avons mis une parenthèse sur la série, sur la foi que nous sommes en train de développer. Et là, nous faisons juste une parenthèse, allons revenir sur le thème. Mais ce matin, je voudrais poursuivre sur ce que le Seigneur a commencé à expliquer la semaine dernière. La semaine dernière, nous nous sommes assemblés ici pour la première fois, donc nous sommes là pour la deuxième fois. La semaine dernière, nous avons eu un culte spécial d'action de grâce et de consécration. Ce bâtiment a été consacré à Dieu. Le palais de gloire a été consacré à Dieu. Dis Amen. Amen. Et cette semaine, nous voulons poursuivre parce que nous avons rendu grâce à Dieu. Et pourquoi nous avons rendu grâce à Dieu? Parce que nous avons tenu avant toute chose à honorer Dieu. Ce n'est pas le pasteur Castanou qui a fait cette œuvre, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a fait cette œuvre. C'est Jésus qui l'a fait par le Saint-Esprit. C'est le Père qui l'a fait au nom de Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et comme c'est Dieu qui fait ces choses, nous ne voulons pas prendre la gloire qui appartient à Dieu. Nous sommes venus la semaine dernière pour rendre à Dieu les actions de grâce. C'est une manière de lui rendre la gloire. Pourquoi est-ce qu'il faut honorer Dieu? Parce que Dieu est digne d'être honoré. Il est digne d'être respecté. Il est digne d'être apprécié. Il est digne d'être célébré. Quelqu'un me dit Amen. C'est lui qui fait. Tout ce que tu peux faire de bon, tout ce que tu peux faire de bon, c'est seulement la grâce de Dieu qui te rend capable de le faire. Si tu fais quelque chose de bon, ne gonfle pas les épaules. Rends grâce à Dieu. Rends gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui le fait par le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dit Amen. En réalité, la raison pour laquelle nous voulons honorer Dieu, dis avec moi, je veux honorer Dieu. Je n'ai pas entendu.
La première des choses que Dieu veut que tu apprennes à faire lorsque tu nais dans la famille de Dieu, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu, respecter Dieu, apprécier Dieu, considérer Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un a demandé un jour au Seigneur, mais quel est le plus grand de tous les commandements? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il a parlé de l'amour, pourquoi? Parce que celui qui aime, honore Dieu. Celui qui aime, honore Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'on fait, le Saint-Esprit dit que tout ce que tu fais se fasse avec amour. Si tu veux faire quelque chose, fais-le toujours avec amour. L'amour est la plus grande des motivations. L'amour, c'est la plus pure des motivations. Quel que soit ce que tu veux faire, fais-le toujours avec amour. 1 Corinthiens 16, verset 14, il dit que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour ou encore se fasse avec amour. L'amour, l'amour est la fondation de toute chose. Tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu apprennes à aimer Dieu. Il faut que tu apprennes à aimer Dieu. Ne va pas à l'église sans apprendre à aimer Dieu. Ne prie pas sans apprendre à aimer Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Que la grâce d'aimer Dieu te soit renouvelée pleinement ce matin. Je refuse d'être un chrétien pour être un chrétien. D'ailleurs, un chrétien, c'est forcément quelqu'un qui a appris à aimer Christ, qui a appris à apprécier Christ, à aimer le Christ. Que ton cœur soit rempli d'amour pour Christ. Que ton cœur soit rempli d'amour à en déborder. Dis-moi un bon Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il aime. La Bible dit qu'il cherche des adorateurs. Mais depuis le livre de Chroniques, 2 Chroniques 16, verset 9, il est écrit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu parcourt le Congo. Dieu, de son regard, parcourt le Congo. Tu te rends compte? Il cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tourné vers lui. Il cherche des hommes et des femmes qu'il aime. Il cherche des hommes et des femmes qu'il apprécie. Il cherche des hommes et des femmes qu'il honore. Puisse-t-il trouver en toi un cœur qui est disposé pour lui? Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Quand je dis puisse-t-il trouver dans ton cœur une place, un cœur passionné pour lui? Refuse d'aller à l'église juste pour aller à l'église. Mais accepte d'aller à l'église pour entendre la parole qui te transforme et qui te rend capable d'aimer Dieu, d'être assoiffé de Dieu, d'être passionné de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu cherche des âmes dont le cœur est tourné vers lui. Pourquoi? Il dit pour les soutenir, pour les rendre capables, pour les rendre capables. Que sa capacité soit sur toi ce matin. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il aime. Et c'est parce que nous l'aimons que nous l'honorons. C'est parce que nous l'aimons que nous l'apprécions. C'est lui qui nous a aimés le premier et nous devons apprendre à aimer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais il cherche quelqu'un dont le cœur est parfait. Et quelqu'un dont le cœur est tout entier. Quelqu'un dont le corps encore est complet. Un cœur parfait ou encore un cœur tout entier ou encore un cœur agréable à Dieu. C'est un cœur qui aime Dieu. Et un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui aime les choses de Dieu. Un cœur qui aime les choses de Dieu, c'est un cœur qui aime la maison de Dieu. Un cœur qui aime la maison de Dieu, c'est un cœur qui aime la famille de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait qu'à la maison de l'Éternel, il y a des frères, il y a des sœurs, et Dieu est présent. À la maison de l'Éternel, je ne suis pas seul. Je suis avec des bien-aimés et nous sommes ensemble pour élever, pour célébrer le nom de notre Père et de notre Seigneur Jésus. Et nous le faisons par le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Le psalmiste a dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. La maison de Dieu, c'est moi, mais la maison de Dieu, c'est le lieu où nous sommes rassemblés. Là, ici, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est remplie de gens qui sont eux-mêmes la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dans la maison de Dieu, c'est le bâtiment. Ce que nous sommes venus faire la semaine dernière, c'était de rendre des actions de grâce et de consacrer la maison de Dieu, le palais de gloire, la maison de Dieu. Cet endroit est un endroit dans lequel Dieu va transformer des multitudes de vies. Cet endroit est un endroit dans lequel la présence de Dieu sera rendue manifeste. Quelqu'un dit Amen. Or,
lorsqu'il y a maison de Dieu, cette maison de Dieu, il faut la construire. Quand on la construit, il faut ensuite l'entretenir. Il faut ensuite la maintenir. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui fait toutes choses pour un but. Un, il veut que son peuple se rassemble dans une maison. Deux, il veut que son peuple soit impliqué, non seulement pour construire, mais pour entretenir la maison de Dieu. Et la première chose que nous avons fait la semaine dernière, c'était de rendre des actions de grâce pour la maison que lui-même il a bâtie. Lui-même il a bâti, qu'il a construit. Lorsqu'il faut construire, lorsqu'il faut maintenir, entretenir, Dieu fait une chose. Il met le peuple que nous sommes à contribution. Et c'est ce qu'il a fait depuis 3 ans, depuis 4 ans. Quelqu'un dit Amen. Il nous a mis à contribution. Quelqu'un dit Amen. Il nous a mobilisés pour bâtir la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, tu dois leur dire ce qu'on fait une fois qu'on a rendu des actions de grâce. Il y a une autre étape. En réalité, quand on vient dans la présence de Dieu pour rendre des actions de grâce à Dieu, mon ami, mon frère, on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Non, jamais. On ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Quand on vient rendre des actions de grâce à Dieu, on apporte toujours une chose importante qui a été mal comprise, qu'on appelle les offrandes. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi les offrandes. Quand on vient rendre grâce à Dieu, on amène toujours à Dieu des offrandes. Quand on vient présenter les enfants au Seigneur, on vient présenter les enfants au Seigneur pour recommander les enfants à la grâce de Dieu, on amène toujours les offrandes. Quelqu'un me dit les offrandes. Pourquoi les offrandes? Pourquoi parler d'offrandes aujourd'hui? Parce que apporter des offrandes à Dieu, mon frère, ma sœur, est une autre manière d'honorer Dieu. On ne rend pas grâce à Dieu sans apporter des offrandes à Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, il faut que tu expliques le concept, le mystère des offrandes. Parce qu'il y a beaucoup qui m'écoutent ce matin, qui ont été endommagés dans leur compréhension à cause de la manière dont les gens ont abusé des offrandes. Ce n'est pas l'homme, pas le pasteur qui a créé les offrandes. Non, pas du tout. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal avec un couteau que le couteau est une mauvaise chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cogné ta voiture ou t'a tamponné pendant quelques instants ou t'a fait mal avec sa voiture que la voiture est une mauvaise chose. Non, la voiture est une bonne chose. Le couteau aussi est une bonne chose. Même la fourchette est une bonne chose. Mais on peut te faire mal avec. Ça ne veut pas dire que la chose est mauvaise. Non, dis avec moi Amen. Les offrandes n'ont pas été créées par les hommes. Les offrandes ont été créées par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a eu le privilège d'introduire la notion d'offrande. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Dis-moi Amen et je continue. Et la raison pour laquelle Dieu me dit de parler d'offrande ce matin, c'est parce que Dieu a décidé de faire passer son peuple dans une autre dimension de prospérité financière. Les offrandes sont une manière très méconnue d'honorer Dieu. C'est vrai. On honore Dieu en chantant ses louanges. On honore Dieu en priant. On honore Dieu en adorant. On honore Dieu en tapant les mains. C'est vrai. Dis Amen. Mais, on ne parle pas beaucoup des offrandes comme étant une manière d'honorer Dieu. Je vous ai dit, si on honore Dieu, on le fait avec amour. Donc même quand j'acclame le Seigneur, là, je ne suis pas en train de faire ça. Je le fais avec amour. J'acclame avec amour. Je suis reconnaissant parce qu'il m'a aimé. Et j'apprends à l'aimer. Et quand je lève mes mains, et même quand je lève mes mains devant Dieu, fais attention, même ta manière de lever les mains est importante. On lève les mains avec amour. Comme un amoureux qui dit à son amoureuse, je t'aime, moi aussi. Il faut qu'il y ait, ça vient du cœur. Mon frère, ma soeur, ça vient du cœur. Oh, dis Amen. La fondation, c'est l'amour. Donc, même les offrandes dont on parle, la fondation des offrandes, c'est l'amour. L'offrande n'est pas un acte physique, c'est un acte qui est spirituel. C'est comme l'adoration. Ce n'est pas un acte qui est physique, c'est d'abord un acte qui est spirituel. Quand je lève mes mains, c'est d'abord spirituel. Ne dis pas, mais pourquoi il lève les mains? Il peut baisser les mains. Non, c'est un acte qui est spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Chanter, ce n'est pas un acte ordinaire. Chanter, c'est spirituel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un dit Amen.
Donc, apporter les offrandes à Dieu, c'est un acte qui est spirituel. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'appréciation. Quelqu'un dit amen et je continue. Dans 1 Chronique chapitre 16, au verset 28, il est écrit « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Et en parenthèse, le contexte de ce passage, laisse le passage. Le contexte, c'est lorsque David avait déplacé l'arche de l'Éternel, lorsque David avait fait déménager l'arche de l'Éternel, exactement comme nous avons déménagé, David avait fait déménager l'arche de l'Éternel. Il avait dit au peuple, célébrez l'Éternel, bénissez l'Éternel. La Bible dit que le jour où David avait déplacé l'arche de l'Éternel, dans 1 Chronique 16, ils avaient pris le temps d'offrir à Dieu des actions de grâce et des offrandes naturellement. Quelqu'un dit amen. Il dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez dans sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Il dit, quand vous venez honorer Dieu, quand vous venez célébrer Dieu, n'oubliez pas une chose, pour honorer Dieu, rendez-lui gloire. Parlez, mais ne faites pas que parler. Passez aux actes. Mon frère, sois détendu ce matin. Je te parle ce matin, je n'ai pas besoin de ton argent. Quand Dieu te parle, des offrandes, ça veut dire que Dieu a décidé de te bénir. Mais avant de te bénir, Dieu doit t'envoyer sa parole. Et quand tu comprends sa parole te libère. Et sa parole t'établit dans la prospérité. Dieu veut une église prospère. Oh, mais donne un bon amen pour toi-même. Veux-tu être quelqu'un de prospère? Veux-tu être quelqu'un de prospère financièrement, matériellement? Un conseil, ne jeûne pas pour avoir la prospérité financière. Ne jeûne pas pour avoir l'argent, ça ne sert à rien. On ne jeûne pas pour avoir l'argent. Quand Dieu voulait récolter des fils, il a semé son fils unique. Il y a une loi qu'on appelle la loi du donner et du recevoir. La loi du donner, écoute mon frère, la loi du donner et du recevoir. Je donne, je sème. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il voulait avoir une multitude de fils. Il a semé son fils unique et il a récolté toi et moi. Quelqu'un dit un bon amen. Quel que soit ce que tu veux obtenir dans la vie, va falloir que tu sèmes. Tu veux obtenir l'amour, va falloir que tu apprennes à semer l'amour. Tu veux obtenir la paix, va falloir que tu apprennes à semer la paix dans ton cœur et la paix avec les autres. Tu veux obtenir la miséricorde, sois miséricordieux envers les autres. Et si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Tu veux obtenir la prospérité financière, ne prie pas, ne jeûne pas. Passe aux actes, sème. Sème les finances, tu récolteras les finances. Sème le bien et tu récolteras le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour libérer quelqu'un ce matin. Voyez, trop de gens ont des problèmes et des challenges. Mais les challenges sont résolus lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès. Il dit, agis fidèlement selon la parole. Agis selon la parole. Tu agiras selon la parole. Mais il y a beaucoup de gens qui sont ignorants à propos des offrandes parce qu'ils ont été blessés, parce que les gens ont abusé, parce que les gens les ont trompés. Oui, c'est vrai. En tout cas, je ne sais pas, mais quelque part, je crois que beaucoup d'entre nous ici, on a été trompés par les offrandes. Mais la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, Dieu vient te libérer ce matin. Apporter des offrandes est un acte spirituel qui a été établi. Un acte spirituel et un acte fait avec amour en l'honneur de l'Éternel. On le fait pour Dieu. Quelqu'un dit amen. Et c'est Dieu qui l'a établi. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, au verset 11, Dieu parle à son peuple. Dieu parle par la bouche de Moïse et il annonce que le peuple est là, c'est bien, mais il veut que son peuple se rassemble. Il dit, il y aura un lieu, Deutéronome 12, verset 11,
Il dit, il y aura un lieu. Dis avec moi, il y aura un lieu. Dis avec moi, il y a un lieu. Il dit, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. C'est le palais de gloire. J'ai dit, c'est le palais de gloire. Il y a beaucoup d'autres lieux, mais ce lieu est un lieu où Dieu a choisi d'y faire habiter son nom. Je vous ai dit la semaine dernière que les gens qui franchiront bientôt la porte, là, le portail, seront restaurés, visités, ils rencontreront Dieu. Les gens qui viennent, ils vont venir avec un cœur assoiffé. Ils recevront les miracles alors qu'on n'a même pas prié pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans le lieu que Dieu a choisi de faire résider son nom. Il y aura un lieu et c'est là. Dis avec moi, c'est là. Dis avec moi, c'est là. C'est là, verset 11. Et c'est là que vous apporterez tout ce que je vous ordonne, tout ce que je vous commande. Dans ce lieu, qui a commandé? Dieu. Il dit, il y aura un lieu. Et quand vous serez dans ce lieu, vous apporterez tout ce que je vous commande. Vos holocaustes, c'est-à-dire les sacrifices qui étaient brûlés, les sacrifices d'animaux qui étaient consumés. N'oublie pas, aujourd'hui nous n'avons plus à le faire parce que l'agneau a été immolé une fois pour toutes. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Nous n'avons plus à faire ce genre de sacrifice. Quelqu'un dit amen. Il dit, vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et l'offrande élevée de vos mains. Vous allez apporter quoi? L'offrande élevée de vos mains et tout le choix des vœux que vous aurez voués à l'Éternel. Bon, vous n'êtes pas en train de m'afficher ce que je vous ai donné. Ce n'est pas grave, gloire à Dieu. Nous avons quelques soucis, mais ce n'est pas un problème. Dieu est présent. Dis amen et je continue. Il dit, dans ce lieu, vous allez apporter les holocaustes, les sacrifices, les dîmes, l'offrande que vous aurez prélevée de vos mains, c'est-à-dire le fruit de votre travail. Vous aurez travaillé, vous allez apporter à l'Éternel le fruit de votre travail. Les premiers fruits, le deuxième fruit, le troisième fruit. Et vous allez le faire dans ce lieu. Et vous allez apporter tout le choix des vœux que vous aurez voués à l'Éternel. C'est-à-dire dans ce lieu aussi, vous allez venir avec vos vœux. Dis avec moi les vœux. Dis avec moi les vœux. Dieu a toujours pris plaisir aux vœux. C'est quoi les vœux? Ce sont les engagements fermes qu'on prend pour honorer Dieu. Ce n'est pas une obligation. Non, mais on dit à Dieu, Père, je veux te donner ça. Pourquoi? Je veux t'honorer, je t'aime. Je veux semer, pourquoi? Les vœux, c'est quelque chose qu'on s'engage à faire alors qu'on peut ne pas le faire. Mais on choisit de le faire pour honorer Dieu. Les vœux, ça peut être un montant d'argent précis. Ça peut être n'importe quoi qu'on dit, je vais donner à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me suit dit amen? Il dit, c'est là que vous allez m'apporter toutes sortes d'offrandes prélevées de vos mains. Je vous ai dit, il y a des gens ici qui ont donné des terrains. Il y a d'autres gens qui vont donner carrément des bus, des voitures, des terrains, toutes sortes de grâces. À ICC, dans la saison de nouvelles choses, on donne à Dieu des bus pour transporter les frères. Moi, j'ai vu des gens qui vont apporter bientôt les 5 coasters, 10 coasters. Mais pour le faire, oui, pourquoi tu le fais? C'est pour honorer Dieu. Pourquoi tu le fais? C'est par amour pour Dieu. Me donner amen pour toi-même. Ce que je vous dis, ça vient du cœur. Si ton cœur n'a pas envie d'honorer Dieu, mon ami, il y a une prospérité que tu n'auras pas. Il y a une grâce qui ne viendra pas sur toi. Mais sur toi qui entends le son de ma voix et qui croit, elle viendra. Il dit, c'est là, verset 12, que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Autrement dit, quand vous allez apporter vos vœux, vos offrandes, il dit, vous allez prendre le temps de vous réjouir. Où? Devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir quand il vous voit apporter des vœux, faire des vœux, honorer vos vœux et apporter des offrandes. C'est Dieu qui les a institués. Quelqu'un dit amen et je continue. Mon frère, ma soeur, ces questions d'offrande, ces questions de dîmes, d'offrandes volontaires sont des facteurs de blocage dans la vie de beaucoup de gens.
blocage parce que nous n'avons pas compris pourquoi nous le faisons et comment il faut le faire. Il est écrit dans Psaume 76, au verset 11, « Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tout ce qui environne Dieu, que tout ce qui l'environne, apporte des offrandes. » Dieu aime qu'on lui apporte des offrandes. Mais pourquoi Dieu aime qu'on lui apporte des offrandes? Parce que Dieu aime bénir son peuple. Dieu aime bénir son peuple. Mais Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne peut pas bénir son peuple si son peuple n'apprend pas à obéir à sa parole. Le pasteur Karambri m'a dit une fois, il m'a dit, arrêtez de dire aux chrétiens, aux croyants que Dieu les comprend quand ils ne donnent pas d'offrande, quand ils ne donnent pas leur dîme. Arrêtez de dire ça aux gens, vous les trompez, vous vous trompez vous-même. Il dit, Dieu ne comprend pas. Quelqu'un qui n'honore pas Dieu par ses offrandes, par sa dîme, Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend que sa parole. Et Dieu se trouve dans sa parole et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Lorsque Dieu voulait construire le tabernacle au temps de Moïse, construire et maintenir, parce que ce qu'on construit, on doit le maintenir. Lorsque Dieu voulait construire et maintenir, Dieu a donné des instructions à son peuple par la bouche de Moïse. Dans Exode 25, au verset 5, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Parle aux enfants d'Israël. Exode 25, verset 1. Parle aux enfants d'Israël, verset 1. Et il dit, « Qu'ils m'apportent une offrande. » Qu'ils fassent quoi ? Qu'il m'apporte une offrande. Qui parle? Qui parle? Dieu. Il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous recevrez pour moi, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vas recevoir les offrandes pour moi. Mais, il y a une condition. Dis avec moi, mais, il y a une condition. Ne reçois les offrandes que de la part des gens qui le font. Avec un cœur qui est généreux, avec un cœur qui est bon, avec un cœur qui est disposé, avec un cœur qui veut honorer Dieu. Mon frère, le message de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui dont le cœur veut honorer Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 10 ans, 9 ans, 5 ans, 12 ans, 40 ans. Si ton cœur a envie d'honorer Dieu, alors ce message est pour toi. Je parle à quelqu'un, dit Amen. Il dit, vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. C'est-à-dire de tout homme qui aura un esprit libéral. Et puis après, il décrit le genre d'offrande qu'il va recevoir. Il dit, vous allez recevoir des offrandes d'or, d'argent, des étoffes, des pierres, de l'huile, du bois, etc. Tu remarqueras que toutes sortes d'offrandes pouvaient être données à Dieu. Pourvu que ça vienne avec un cœur qui était disposé. Quelqu'un dit Amen et je continue. Et dans Exode 35, au verset 1, il est écrit, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et il leur dit, voici les choses que l'Éternel, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Dit Amen. Et comment il, etc., etc. Et au verset 21, il dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, ils vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Dis Amen. Tous ceux qui furent entraînés dans leur cœur, tous ceux qui étaient animés d'une bonne volonté, tous ceux qui voulaient honorer Dieu. Donc vous remarquerez que quand Dieu a appelé son peuple à faire des offrandes,
il n'a pas appelé tout le monde. Non, il a appelé, il a dit, dis à ceux qui ont le cœur disposé, ceux qui veulent m'honorer, de venir m'apporter des offrandes. Et s'ils le font, c'est pour m'honorer. Donc ils doivent le faire avec leur cœur plein d'amour pour moi. Quelqu'un me dit amen. On ne dit pas combien, on dit qu'ils doivent le faire avec un cœur qui est disposé, avec un cœur qui est sincère, avec un cœur qui est reconnaissant. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Les hommes et les femmes vinrent, tous ceux dont... Est-ce que vous remarquez que la notion du cœur revient toujours? Toujours le cœur. Dieu insiste que quand on lui amène quelque chose, on ait le cœur disposé. On a le cœur tourné vers lui. On a le cœur qui ait envie de l'honorer. Ils disent apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Sous-entendu, quand on amène une offrande à Dieu, on doit l'avoir préparée. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on fouille la poche, qu'on cherche quelque chose, qu'on élimine les autres choses et qu'on sort ce qui n'a pas de valeur. C'est du mépris devant Dieu. Frère, Dieu te parle ce matin pour t'aider. Dieu te parle ce matin pour te délivrer. Tu sais que le pasteur Castanou n'a pas besoin de ton argent. Je suis venu pour honorer Dieu. Mais Dieu veut rendre les gens prospères. Dieu veut rendre les gens financièrement bénis. Il ne faut pas juste dire, donnez-moi. Non, c'est pas, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu vas avoir de l'argent, sème ce que tu as. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée. Ça veut dire que depuis la maison, j'ai mis à part quelque chose. Depuis la maison, j'ai décidé de mettre à part mon offrande. Et quand je viens à l'église, je prends l'enveloppe et je glisse mon offrande dans l'enveloppe. Je n'attends pas qu'on fasse, qu'on demande les paniers. Non, si je parle à quelqu'un, dis amen. Nous sommes en fin d'année. En fin d'année, c'est un temps où généralement on vient pour honorer Dieu. Je ne te dis pas de réagir aujourd'hui, mais je te dis, d'ici le 31, quand on va se rassembler pour apporter nos offrandes, pense à ce que je suis en train de te dire. Si tu veux honorer Dieu, tu le feras de tout ton cœur. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, écoute encore, verset 29, dont le cœur était généreux, ou encore disposé, ou encore libéral, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée, ils apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Il y en a parmi nous qui vont apporter des bus, je le dis, je le sens. Il y en a qui vont apporter des maisons. Il y en a qui vont apporter des terrains. Il y en a qui vont apporter des vêtements. Il y en a qui vont apporter toutes sortes de grâces. Si tu me suis, tu dis amen. Quand tu apportes, ça veut dire que tu as quelque chose. Et quand tu n'as rien, on va voir, tu apportes ce que tu as. Personne n'a rien. On a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes en train de parler de l'importance de comprendre que les offrandes n'ont pas été créées par les hommes ou par les hommes de Dieu, mais elles ont été créées par le Dieu des hommes, qui a une puissance et un mystère, profond mystère, dans le fait de savoir donner des offrandes, mais de la bonne manière et avec la bonne attitude de cœur. Lorsque David, lui aussi, devait construire le temple, on l'a vu la semaine dernière, mais je vais revenir dessus brièvement. David était appelé à construire le temple et à maintenir le méga-temple de Salomon. Un temple somptueux, un temple magnifique. Dans 1 Chronique 29, verset 1, la Bible dit que le roi David et toute l'assemblée, le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage à construire est considérable. » Regardez la phrase de David. « Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel, notre Dieu. » Tu as raté une bonne occasion de dire amen. David dit, nous devons construire et maintenir un palais. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour notre Dieu. Oh, David était un homme bon, un homme magnifique. Verset 2, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu.
Il dit de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, du bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer. Je me suis engagé, j'ai mis toute mon énergie. Ma passion, dit David, a été consacré à préparer. Dieu ne m'a pas laissé construire, mais j'ai mis toutes mes forces à préparer pour contribuer à la construction de la maison de Dieu. J'ai mis toutes mes forces. Que Dieu t'accorde la grâce d'être quelqu'un qui met toutes ses forces pour les projets de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir un cœur qui met toutes ses forces pour l'œuvre de Dieu. Oh, quelqu'un dit amen. Celui qui dit amen, c'est à toi que cette parole est destinée. Au verset 3, David dit, de plus, ce n'est pas fini. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Regardez comment il parle avec fierté. Lui, il ne dit pas dans la maison de Dieu, dans la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu, mon Seigneur, mon Jésus, mon Papa. Je donne à la maison de mon Dieu. Pourquoi tu le fais? Il dit, je suis attaché à la maison de mon Dieu. Moi, mon cœur est attaché à cet endroit. Mon cœur est attaché à cet endroit parce que Christ est dans cet endroit. Parce que c'est dans cet endroit que la famille de Dieu se rassemble. Dis amen. Il dit, je donne à la maison de mon Dieu, verset 3, de l'or et de l'argent que je possède en propre. David, qu'est-ce que tu possèdes en propre? Il dit, outre, en dehors de ce que j'ai déjà préparé pour la maison du sanctuaire, je donne 3000 talents d'or. Dis avec moi, 3000 talents d'or. C'est-à-dire 100 tonnes d'or. 100 tonnes d'or, s'il fallait le convertir aujourd'hui dans la valeur marchande de l'or, c'est 3 milliards d'euros. C'est-à-dire 2000 milliards de francs CFA. Donc David a contribué pour 2000 milliards de francs CFA en or. Non, attends d'abord. Dis amen et je continue. Pour te dire à quel point c'est Dieu qui donne la richesse aux hommes. Mais il donne ça afin que toi tu serves les intérêts du royaume. Il dit 7000 talents d'argent, c'est-à-dire 240 tonnes d'argent. Ce qui fait à peu près, dans la valeur marchande d'aujourd'hui, 96 millions d'euros. Donc seulement 62 milliards de francs CFA. Donc déjà, ça fait déjà 2062 milliards que David dit, moi j'ai donné en propre pour la maison de mon Dieu. Mon ami, puisses-tu parler de cette manière un jour? Non. Que cette grâce repose sur quelqu'un dont le cœur veut plaire à Dieu en abondance. Que cette grâce soit accordée à quelqu'un ce matin. Oh. Comment? Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne, et il a donné. Quelqu'un dit amen. Et au verset 9, il est écrit que le peuple se réjouit des offrandes volontaires qu'ils avaient faites, car c'était avec un cœur disposé qu'ils avaient fait ces offrandes. Et on a vu la semaine dernière comment à la fin, toujours dans 1 Chronique 29, comment David prend le temps de rendre gloire à Dieu. Il dit que tout ce que j'ai vient de toi. Tout ce que j'ai pu donner, c'est toi qui me l'as donné. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te donner. Il faut que tu comprennes les principes. Pourquoi? Dieu fait tout pour un but. Ce n'est pas pour que ton nom soit élevé. C'est pour que Jésus, le Christ, soit élevé. Si Dieu te donne, pas pour qu'on parle de toi, mais qu'on parle de Jésus, le Christ. Si Dieu te donne, pas pour que tu bâtisses tes maisons, mais que tu bâtisses les œuvres de Dieu d'abord. Oh, mais quelqu'un dit d'abord un bon amen. Oh. Mais si tu le fais, quand tu fais ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. C'est lui qui donne la richesse. Il donne la prospérité. Il a rendu prospère David. David n'était rien. Il n'était rien. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a fait de lui un roi. C'est Dieu qui a fait de lui un homme aisé. Dieu fera de beaucoup d'entre nous ici des entrepreneurs aisés, des entrepreneurs prospères. Je vous le dis. Dieu fera ici des entrepreneurs, des commerçants, des hommes et des femmes d'affaires très prospères. Cette grâce, elle ne viendra pas. Elle est déjà venue sur l'assemblée. Cette grâce repose déjà sur l'église.
Quelqu'un donne un amen. Mais avant qu'elle soit manifestée, tu dois apprendre à honorer Dieu et savoir comment est-ce qu'on se comporte devant les offrandes. Parce que si quelqu'un veut être béni financièrement, tu dois apprendre à lâcher ce que tu as. Donnez et on vous donnera. La bénédiction financière ne vient pas parce que tu as prié, non. Elle vient parce que tu as donné, tu as libéré, tu as donné. Et tu as donné avec un cœur joyeux, tu as donné avec un cœur généreux. Qui veut devenir un homme, une femme généreuse, dit amen. Que la grâce de la générosité te soit accordée ce matin. Est-ce que tu sais que la générosité, c'est une grâce? La libéralité, c'est une grâce. Il y en a qui ont le cœur fermé, mais que toi, Dieu t'accorde un cœur qui est ouvert. Il y en a qui ont la main qui est fermée quand il faut donner. Mais Dieu, quand il veut te bénir, il faut que ta main apprenne à s'ouvrir. Ton cœur doit être disposé pour donner à Dieu. Que cette grâce te soit accordée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Toujours à propos de donner, on dit avec moi, on parle des offrandes. Des offrandes volontaires. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas dit donne, donne, donne. Non, c'est toi qui dis je donne. C'est toi qui dis je me lèverai, je donnerai. Mon histoire, c'est ça. Mon témoignage, c'est ça. Ils ont commencé déjà à critiquer. Ils ont dit, ouais, il a pris l'argent pour faire l'église. Ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne connaissent pas mon témoignage. Ils ne savent pas d'où je viens. Ils ne savent pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Ils ne savent pas. Mon frère, ma soeur, quand les gens ne connaissent pas ton histoire, ils vont te critiquer. Ce n'est pas grave. Le chien aboie et la caravane, elle, passe. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Et en plus, il y en a qui ne veulent pas que tu fasses les choses pour Dieu. Il y en a qui ont eu de l'argent. L'argent, ce n'est pas le problème. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu te donnes. Il a dit, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, j'ai donné à la maison de mon Dieu tout ce que j'avais. Eh bien, je peux dire amen à ça, je suis d'accord. Mais pourquoi? David avait un cœur qui aimait Dieu. Mon frère, ne t'occupe pas de ton travail aujourd'hui. Ce n'est pas le petit boulot là par lequel Dieu va t'établir. Pour t'établir, si tu apprends seulement à honorer Dieu par la qualité de tes offrandes volontaires, ce n'est pas ton salaire. Il n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit que les hommes doivent vivre avec leur salaire. Non. Non, non, non. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tes mains, ce n'est pas un salaire. C'est les activités, c'est le business, c'est les commerces que tu vas entreprendre pour sa gloire. Oh. Dis amen et je continue. Dieu, dans cette saison, nous sommes passés de l'autre côté. De l'autre côté, il y a une grande prospérité. Dieu pense à sa maison qu'il a construite, qui n'est pas d'ailleurs terminée, entre parenthèses, et après qu'il faut maintenir. Il y a besoin de beaucoup d'argent. Mais l'argent n'est pas un problème, c'est nos cœurs qui sont le problème. L'argent n'est pas un problème, c'est les cœurs qui sont le problème. C'est le cœur qu'il faut changer. Quand je dis que Dieu t'accorde un cœur généreux, il peut opérer ce matin par une opération surnaturelle. Par la puissance du Saint-Esprit, il veut te donner un cœur généreux. Dis amen et je continue. Le Saint-Esprit parle dans 2 Corinthiens 9, toujours à propos des dons, à propos des offrandes, à propos des présents qu'on emmène devant Dieu de tout son cœur. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, passage que nous connaissons bien, il dit attention, sachez-le bien, soyez-en conscients, soyez-en conscients. Celui qui sème peu, récoltera peu. Mais celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Il dit, si tu sèmes un peu, Dieu est un Dieu qui est juste. Tu sèmes un peu, il ne te donnera pas beaucoup. Non, parce qu'il est juste. Mais tu sèmes beaucoup. J'ai semé, mais je n'ai pas encore récolté. Sème encore. Mais je n'ai pas encore récolté. Sème encore. Pour Dieu, par amour pour Dieu, pour honorer Dieu, sème encore. Mais je n'ai pas encore assez. Sème encore.
Et alors, c'est là qu'un jour, tu découvres ce qu'on appelle la loi des intérêts. Des intérêts et des intérêts et des intérêts composés, des intérêts composés. Tout cela, ça vient du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut semer pour Dieu ce matin? Il dit, mais attention, il y a une condition. Avant de semer, il y a une condition. La condition, c'est le verset 7. Que chacun donne ou encore sème comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse, sans regret, dit Amen. Ni contrainte, c'est-à-dire obligation. Non, paie ça, donne, tu vas voir. Si tu vois, si tu donnes pas, tu vas voir. Si tu donnes pas, si tu. Non! On n'oblige pas les gens à donner. On donne librement et avec joie. Il dit parce que Dieu aime celui qui donne joyeusement. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand tu donnes là, si tu es seulement en train de dire, mon ami, arrête, ne fais plus rien. Ton offrande n'a pas été agréée. Tu as donné pour rien. Le Père n'y prend pas plaisir. Mais quand tu donnes avec joie, le Père dit, ça c'est bon, ça c'est bon. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu n'a aucune dette. Dieu n'est pas un Dieu endetté. Le gouvernement peut être endetté, mais le royaume des cieux n'est jamais endetté. Est-ce qu'il y a des travailleurs du royaume des cieux ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux du royaume de Dieu ce matin? Mon ami, quand on donne pour la cause du roi, celui qui donne pour la cause du royaume ne sera jamais endetté. Parce que quand tu donnes pour la cause du royaume, le roi te regarde. Il dit, moi j'aime ceux qui donnent avec joie. Cette offrande, elle est appréciée, elle est agréée. Quand Dieu apprécie l'offrande, il déverse la grâce. Oh, dis Amen. Donc, c'est une mauvaise chose que nous, pasteurs, on fait quand on dit, donnez, donnez, non, donne, donne. Si tu ne donnes pas, tu es maudit, donne. Perte de temps, manipulation. C'est de la manipulation. On n'a pas à dire aux gens de, allez, 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 non, non. Celui qui donne, il donne. En 2005, j'ai fait un vœu à Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je n'avais rien, mais j'ai fait un vœu à Dieu. Lorsqu'on était en train de déménager à Paris, à ICC, j'avais rien. J'ai dit à Dieu, je vais donner 50 millions de francs CFA. Mon ami, mon frère, je n'avais rien. Enfin, j'ai fait un vœu. Même pasteur m'a dit, mais tu vas faire ça comment, tu vois? Parce que 50 millions, c'était beaucoup d'argent. C'est comme si tu m'avais donné des milliards. Je n'ai même pas de travail en plus. J'ai fait un vœu. Mais quand j'ai fait un vœu, je voulais accomplir mon vœu. Et j'ai fait ça de tout mon cœur. J'avais dit, pour Dieu, je vais donner ce que j'ai. Et même ce que je n'ai pas, je donnerai. Voilà. Un an plus tard, petit à petit, j'avais foi. J'allais donner. Et tu sais quoi? La foi marche toujours. Et un an plus tard, par la seule grâce de Dieu, en 2005, alors que je n'avais rien, pas de maison, j'avais une vieille voiture. J'ai eu l'argent que j'avais dit que j'allais donner un an plus tôt. Un an plus tard, quand l'argent est venu dans mes mains, vrai, j'ai dit, mais qui m'avait dit de faire un vœu? Qui m'avait dit de prendre un engagement? Qui m'avait dit? Je regarde la voiture. Touf, 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 touf. J'ai cherché une maison. J'avais une petite maison à Paris. Petit appartement. On voulait déménager. On a regardé ce qu'on avait. C'était le vœu qu'on avait demandé à Dieu. Exactement, presque le même montant, un an plus tôt. On est venu à l'église avec Pasteur Abi. On a pris l'argent. On a semé les 50 millions en 2005. Avec joie, mais aussi avec douleur. Ah oui, mon ami. Ah oui. C'est là que, dis Amen, c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai compris qu'on peut donner avec joie, mais en même temps avec un peu de douleur dans le cœur. C'est-à-dire, tu es content, tu dis merci Seigneur. Ah Seigneur!
Dis Amen. Dis gloire à Dieu. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, c'est après ça, quelques jours après, que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, mon fils, comme tu as fait cela, par amour pour moi, je te bénirai. Je n'ai pas dit tout ce que Dieu m'a dit. Mais toi qui viens ce moment aujourd'hui, qui dis, oh le pasteur, mon ami, tu es venu à la fin du film. Fallait venir au début du film. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et j'avais résolu dans mon cœur que je voulais donner beaucoup. C'était, pour moi, c'était immense. Le beaucoup, c'est relatif en fonction de ce que tu as. Mais moi, je n'avais même pas ça. Je me suis engagé à donner. Je voulais honorer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu n'as pas la joie quand tu donnes, ne donne surtout pas. Si tu te sens obligé, bon, ok, ne donne pas. Ce n'est pas la peine. Ton offrande ne servira à rien. Elle n'est pas comme un parfum de bonne odeur. Dieu ne l'agrée pas. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Et puis il dit, mais si tu l'as donné de ton bon cœur, sans tristesse, ni contrainte, mais si tu as donné avec joie, à la manière il te dit le « et », verset 8, comme tu l'as fait de tout ton cœur, avec joie, il dit « et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Toutes sortes de grâces. Comme on dit toujours, dans toutes sortes de grâces là, tu as les retours en argent. Mais tu as le retour aussi en santé. Tu as le retour aussi dans ton foyer, dans ta famille. Le bonheur, la grâce t'accompagne. Toutes sortes de faveurs, de capacités. Je vais même vous dire une chose. Même quand tu avais un visage qui n'est pas beau, ton visage peut commencer à changer à cause de toutes sortes de grâces. Mon frère, mais dis Amen. Il y a des gens, on l'appelait vilain. Mais quand le toutes sortes de grâces s'est déversé dans sa vie, le même gars le voit. Hey! Dis-moi, hey! Frère, que le toutes sortes de grâces soit ton partage. Oh! Toutes sortes de grâces, ça veut dire qu'on ne peut pas contenir. On ne peut pas expliquer. Comment tu as fait? On ne sait pas comment j'ai fait. C'est seulement Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. C'est Dieu qui a institué les offrandes. Ce n'est pas l'homme. Il a établi les offrandes comme une manière de l'honorer dans sa maison. D'apporter toutes sortes d'offrandes. Et des offrandes qui viennent d'un cœur qui est sincère. Maintenant, parmi les offrandes, il y a des offrandes volontaires, naturellement. Et parmi les offrandes volontaires, il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes sacrificielles. Dis avec moi les offrandes sacrificielles. Ce dont j'ai parlé dans mon histoire, c'était une offrande sacrificielle. C'était un vœu qui était un sacrifice. Et quand le temps était venu d'accomplir le vœu, c'était dur. C'est un sacrifice. C'est ça, des fois dans la vie, pour conquérir ton héritage. Pour posséder tes possessions. Mon ami, il faut engager des fois la force du sacrifice. Il y a des choses qu'on n'obtient que lorsqu'on paye un prix. Lorsque tu payes un tribut. Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique, sacrifie-le-moi. Mais c'est tout ce que j'ai. Sacrifie-le. Mais c'est tout ce que j'ai. Donne-moi ton fils. Dieu voulait voir si le cœur d'Abraham était sincèrement déterminé à honorer Dieu. Abraham, il prit son fils Isaac. Il alla sur le mont Morija. Et au moment où il voulait prendre le couteau pour tuer son fils, Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Car maintenant, je sais que tu aimes et tu honores Dieu. Mais ça, oui, tu veux et tu as la bénédiction d'Abraham. Mais il faut aussi avoir le cœur d'Abraham. Faut pas seulement, ne cherche pas seulement la bénédiction d'Abraham. Cherche le cœur que Abraham avait. Abraham avait un cœur qui voulait honorer Dieu.
Il était déterminé. Il a dit, si je perds, je perds. Mais je sais qu'Isaac reviendra. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Je sais qu'en posant cet acte, je suis désespéré. Ça paraît trop difficile, mais il y a une suite derrière. Je suis convaincu que si Isaac meurt, il va revenir. Alors je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à me sacrifier. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. On l'appelle Isaac. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Oui, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais il y en a qui comprennent. Des fois dans la vie, pour obtenir des choses glorieuses de la part de Dieu, il faut être prêt à engager la force du sacrifice. La force du sacrifice. La force du sacrifice. Et c'est lorsque Dieu a vu qu'il était prêt à sacrifier que Dieu a dit, Abraham, écoute, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, les bénédictions jurées de Dieu. Quand Dieu dit, je le jure par moi-même, mon ami, aucun diable, aucune principauté, aucun démon, même Satan ne peut rien faire. Aucun être démoniaque ne peut s'opposer. Quand Dieu a dit, comme tu m'as honoré, maintenant c'est moi-même qui vais combattre tes ennemis pour m'assurer que ce que j'ai dit va s'accomplir. Mon ami, mon frère, ma soeur, que Dieu t'accorde la grâce d'un cœur généreux ce matin. Oh non, non, que Dieu te donne un cœur très généreux ce matin. Non seulement un cœur généreux, mais l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. On critique beaucoup de gens parfois dans certaines assemblées. Mais quand tu retraces l'histoire des gens que Dieu a bénis réellement, tu verras l'histoire des gens qui ont eu à mourir plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de sacrifices, ils étaient pratiquement... Tu sais, la différence entre le dévouement et le sacrifice, c'est que beaucoup d'entre nous, nous vivons des vies dévouées. C'est-à-dire que nous avons dévoué nos vies, consacré nos vies au Seigneur. C'est une bonne chose parce que quand tu consacres ta vie pour le royaume, ça veut dire que tu as choisi de vivre pour le royaume. C'est ce qu'on appelle une vie dévouée ou une vie consacrée. Mais quand tu as sacrifié ta vie pour le royaume, tu ne vis plus pour le royaume, mais tu es prêt à mourir pour le royaume. Tu es prêt à tout perdre pour le royaume. Tu es prêt à tout donner pour le royaume. Pour que Jésus soit glorifié, pour que Jésus soit apprécié, pour que Jésus soit honoré, tu es prêt à tout. C'est ça qu'on appelle une vie de sacrifice. Dans l'autre cas, beaucoup d'entre nous, c'est une vie de dévotion, de consécration, mais beaucoup n'ont pas encore atteint le stade de la vie de sacrifice, où tu es prêt à laisser partir tout ce que tu as, juste pour la cause de Christ, où tu es prêt à donner tout ce que tu as, juste pour honorer Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mon frère, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il fera, c'est vrai. Mais il y a des choses, pour les obtenir, il faut engager le sacrifice. Il y a des choses pour obtenir de Dieu. Il va te donner. Mais à certains niveaux de choses, non, il faut le sacrifice. Jésus a dit, dans Jean 12, verset 24, il dit, l'heure est venue. On dit, Seigneur, les Grecs te cherchent. Il dit, l'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié, le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des niveaux dans ta vie où tout ce que tu es doit mourir. Pour porter beaucoup, beaucoup de fruits, tu dois mourir. Tu dois mourir, faire mourir ce que tu as. Mais je n'ai rien. Fais mourir le rien que tu as. Parce que quand tu fais mourir le rien que tu as, c'est là généralement que la puissance de la résurrection est enclenchée. Tout le monde ne comprend pas ce message, mais il est reçu par ceux à qui ça a été donné ce matin de comprendre. Et je vais terminer en parlant de quelque chose qui a touché le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair a été touchée une fois. Un acte qui l'a profondément touché dans Marc 12, verset 41. Marc 12, verset 41. Il est écrit, ça c'est l'histoire d'une offrande sacrificielle. Jésus
s'étant assis vis-à-vis du trône, c'est-à-dire le trésor du temple, la chambre des trésors du temple, là où on mettait tout l'argent du temple. Jésus s'est assis vis-à-vis du trésor du temple. Dis avec moi, Jésus s'est assis. Là, il est assis, il regarde comment les gens sont en train de mettre de l'argent. Il regarde comment les gens sont assis en train de mettre de l'argent. Et la Bible dit que plusieurs riches mettaient beaucoup. Gloire à Dieu. Ils auraient pu mettre peu, mais eux au moins ils mettaient beaucoup. Il y a des riches de notre monde là qui ne mettent rien. Et ils vont perdre leur richesse. Ah oui, ils vont perdre leur richesse pour que nous possédions cette richesse-là. Ça, c'est déjà établi. Quelqu'un dit amen et je continue. Les riches, les cocotos vont perdre leur richesse au profit des justes de Dieu. Est-ce qu'il y a des justes et des généreux de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des justes et des généreux de Dieu ce matin? C'est pour toi alors que la richesse est en train de se déplacer. Des méchants vers les justes. Mais des justes qui ont le cœur généreux. Quelqu'un dit un bon amen. Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces qui faisaient un quart de sou, c'est-à-dire quelques centimes. 10 francs, 20 francs, 50 francs. C'est quoi devant tous ces gens qui mettent des multitudes? Jésus, ayant appelé alors ses disciples, il leur dit, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux, aucun plus que ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, c'est-à-dire de l'argent qu'ils avaient en trop. Ils n'ont pas tout donné. Ils ont beaucoup donné, mais ils n'ont pas tout donné. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dis amen. Dis amen. La version parole vivante dit, tous les autres ont donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a donné. Il dit oui, en quelque sorte, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. C'est sa vie que cette pauvre veuve est venue déposer. Il y a des moments où tu sens que tu déposes de l'argent. Puis il y a des moments où tu sens que tu as déposé ta vie. C'est ça, le sacrifice. Ce n'est pas pour tout le monde, non. Mais pour certaines personnes qui veulent atteindre un certain niveau de grâce, de gloire et de puissance et d'impact, il faut apprendre la force du sacrifice. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ce n'est peut-être pas aujourd'hui pour toi, mais prends cet enseignement, garde-le quelque part. Un jour, tu en auras besoin. C'est la force du sacrifice. Pourquoi parmi les nombreux récits de la vie de Jésus, il y en a tellement, il y en a tellement, il a tellement fait d'actes. Pourquoi on prend le temps de parler d'une simple veuve qui est venue poser, même pas de l'argent, quelques centimes? Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. C'est une offrande de sacrifice. Les offrandes de sacrifice, je fais. Et puis après, je ne sais pas comment je vais manger, mais j'ai fait. Je ne sais pas comment je vais tenir, mais j'ai fait. Je ne sais pas ce qui va se passer après, je n'en sais rien, mais j'ai seulement fait. Parce que Dieu connaît mon cœur. Parce qu'il sait qu'il sait. L'offrande de sacrifice, ma soeur, mon frère, c'est comme si je suis arrivé par un pont, je suis arrivé par une passerelle et je jette la passerelle. Je ne sais plus repartir. C'était un point de non-retour. L'offrande sacrificielle, Jésus a dit, partout où l'évangile sera annoncé, on doit parler de cette veuve. Ce n'est pas le montant qui importait. C'est la qualité du cœur qu'elle avait qui importait. Tu vois comme quoi dans la vie, on peut avoir rien, mais être généreux. On peut avoir juste un peu, être généreux. Quand on donne, on ne compare pas. Moi j'ai donné, moi j'ai fait un tel. Non, parce que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Mais ce que Dieu veut, c'est une église qui est prospère. Un peuple prospère, c'est un peuple qui apprend à donner. Qui apprend à obéir à la loi du donner pour recevoir. Dieu, le Seigneur me dit, il a déjà dit, il veut rendre l'église très riche, très puissante.
n'est pas sur le pasteur qui veut mettre la grâce. C'est sur ceux qui croient, sur ceux qui l'honorent, sur ceux qui ont la foi, sur ceux qui disent, Seigneur, ton pied, mon pied. Qui a dit à cette femme, qui a dit à cette femme de donner tout ce qu'elle avait? Elle aurait pu donner au lieu de 2 sous, 1 seul sou et garder 1. Non, il y a des gens comme ça, ils veulent juste honorer Dieu tellement. Ils disent, qu'importe ce qui va m'arriver après, si je dois rentrer à pied, si je ne dois pas payer mon loyer, mais je donnerai tout ce que j'ai, pas pour le pasteur, mais pour honorer Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que nous avons manifesté pour son œuvre. Non, Dieu n'est pas injuste. On ne sait pas ce qui s'est passé avec cette femme, mais ce qui m'épate, c'est que Jésus ne lui a pas dit, ne donne pas, reprends ton argent. Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Jésus n'a pas fait cela. Mais connaissant le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute justice, je sais déjà que cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait, Dieu ne peut pas la laisser tomber. Non, jamais, jamais. Ta foi peut être mise à l'épreuve par l'esprit de sacrifice. Il y a des moments, je dis bien, il y a des moments où pour obtenir certaines choses, pour percer, mon ami, il faut apprendre la loi de l'offrande sacrificielle. Beaucoup d'entre nous, on a été abusés avec ces termes, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est un concept et c'est un mystère de la parole de Dieu. C'est une vérité biblique. C'est une vérité que Dieu donne par sa parole. Celui qui me comprend, me dit Amen. C'est bon de donner. C'est agréable de donner. Dieu prend plaisir aux dons que tu fais. Dieu prend plaisir aux vœux que tu fais. Dans 2 semaines, ça sera la fin de cette année. Pour construire, il a fallu donner. Donner. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Veux-tu récolter abondamment toutes sortes de grâces? Arrête de dire aux gens, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Donne-toi-même. Sème-toi-même. À force de dire, donne-moi, donne-moi, ça ne marchera pas. Même si on te donne, tu vas tout gaspiller. Tu ne pourras pas fructifier. Tu ne pourras pas multiplier. Mais en donnant à Dieu, en semant pour les intérêts du gouvernement des cieux, un gouvernement qui n'est jamais endetté, tu ne perdras jamais ta mise. Tu ne perdras jamais ta récompense. Tu ne perdras jamais. Cette parole est donnée ce matin, pas à tout le monde, je le sais, mais à celui qui a décidé dans son cœur d'avoir un cœur généreux pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un cœur généreux pour Dieu? Mets ta main sur ta poitrine là où tu es. Nous allons prendre le temps de prier. Parce que chaque parole de Dieu est accompagnée d'une grâce particulière. Chaque parole est accompagnée d'une grâce. Il veut accorder grâce. Il veut accorder une grâce nouvelle à ton cœur. Dans cette saison de nouvelles choses, ne regarde pas à ton salaire. Ce n'est pas par ton salaire que Dieu veut te multiplier, que Dieu veut te bénir. Il a dit, Dieu peut vous accorder toutes sortes de grâces. Alors que tu as un emploi, des opportunités peuvent venir à toi. Pas elles peuvent, elles viendront à toi. Mais elles viendront à toi dans le but de voir si réellement tu as un cœur qui est généreux. Si vraiment tu as décidé de donner pour Dieu. Si vraiment tu as décidé de donner pour Dieu. Tu es étudiant, ce n'est pas un problème. Il y a des étudiants qui ont mis Dieu à l'épreuve. Les Michael Dell, beaucoup d'inventeurs, beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui sont gérées par des gens qui étaient étudiants encore à l'époque. L'onction de la créativité, de la richesse est sur les jeunes, et sur les anciens, et sur les jeunes, et sur tous ceux qui croient, sur tous ceux qui ont un cœur disposé. Mais est-ce que Dieu pourra compter sur toi? Est-ce que le Père pourra compter sur toi? Est-ce que ton cœur, lorsque tu recevras, sera vraiment généreux au point d'oublier et de savoir te sacrifier pour Dieu? Oui, c'est difficile, mais tout est possible à celui qui a la foi. Abraham a sacrifié Isaac et Abraham a récolté en abondance. Et nous sommes d'ailleurs la postérité d'Abraham. Abraham a eu au-delà de ce qu'il avait pensé imaginer. Dieu cherche des hommes à bénir. Dieu ne cherche pas quelqu'un à dépouiller. Dieu cherche quelqu'un à bénir. Dieu cherche quelqu'un à honorer. Il regarde ton statut. Il regarde ta vie aujourd'hui. Il regarde tes moyens. Il regarde tes ressources. Il voit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il dit, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu es prêt à avoir un cœur généreux pour mon œuvre, pour mes projets, pour mes intérêts? C'est ce genre de cœur que Dieu cherche. C'est ce genre de cœur que Dieu cherche. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il t'établira dans les grandes choses. Si tu as appris à donner avec peu, comme cette veuve, alors il sait déjà que quand il te donnera beaucoup, tu apprendras aussi à donner. Est-ce que Dieu parle à ton cœur ce matin? Mets ta main sur ta poitrine maintenant et prie toi-même le Père. Demande à Dieu la grâce d'avoir ce cœur généreux. La grâce d'avoir un cœur généreux. La grâce d'avoir un cœur généreux.
pour les intérêts du royaume, pour les intérêts de Jésus-Christ. La grâce d'avoir un cœur qui est généreux. Père, dans le nom de Jésus le Christ, Seigneur et Père, nous sommes assemblés ce matin. Tu as dit dans ta parole, tu regardes la terre, tes yeux parcourent la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier pour toi. En un clin d'œil, le regard de Dieu parcourt ce lieu. Le regard de Dieu parcourt cet endroit, parcourt ce palais de gloire, parcourt les cœurs de nos internautes, de ceux qui nous suivent sur Internet, à la télévision et dans les salles annexes. En un clin d'œil ce matin, le regard de Dieu est tourné vers nous. Il cherche. C'est dans le cœur est tourné vers lui. C'est dans le cœur est consacré à lui. C'est dans les cœurs veulent être des cœurs généreux. Des cœurs généreux. Père, dans le nom de Jésus le Christ, tu envoies ta parole ce matin. Maintenant, lance ta parole dans nos cœurs. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur qui le désire. Tu as dit, si quelqu'un demande et qu'il reçoit, ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, accorde-nous, Père, accorde à cet homme, accorde à cette femme la grâce d'avoir un cœur qui est généreux, un cœur qui est généreux, un cœur qui est attaché à la maison de Dieu, un cœur qui est attaché au royaume de Dieu, un cœur qui bat uniquement pour les intérêts du royaume de Dieu. Qu'importe ce que les hommes vont dire, un cœur qui est attaché à honorer Dieu, un cœur qui est attaché à aimer Dieu et à donner pour la cause de l'Évangile, pour la cause de Christ, pour la maison de Dieu, pour bâtir les futurs projets, pour construire les futures maisons de Dieu, pour entretenir la maison de Dieu. Un cœur qui se sacrifie par les dons qu'ils font, comme cette pauvre veuve, comme cette pauvre veuve, comme Salomon qui a donné à Dieu au point que Dieu a été touché. Accorde à ton peuple que nous sommes, accorde à ta famille que nous sommes. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Accorde-nous cette grâce d'être des donneurs en abondance, des donneurs en abondance. Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous ces cœurs généreux pour la gloire de Jésus le Christ. Nous ne voulons pas être vus, non. Que Jésus seul soit glorifié, que Jésus seul soit vu, que Jésus seul soit entendu. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, quelqu'un a reçu cette grâce dans son cœur ce matin. Tu donnes des cœurs nouveaux, des cœurs généreux pour la gloire de Jésus le Messie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit par la foi? Déclare un mot Amen. Oui, il est en train de le faire. Le Saint-Esprit est en train de le faire. Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, Esprit de Jésus, tu es en train de toucher les cœurs, tu es en train de changer les cœurs, tu es en train de donner un cœur nouveau à plusieurs ce matin, un cœur nouveau à plusieurs ce matin. Béni soit le Père qui agit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans la place, il est en train de se mouvoir, il est en train de toucher les cœurs qui sont disposés. Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous honorons tes œuvres, nous honorons ton ministère. Esprit de Jésus-Christ, merci Seigneur, nous te bénissons. Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, des cœurs embrasés, des cœurs enflammés de passion pour Dieu, des cœurs attachés à Dieu, des cœurs qui donnent pour Dieu. Cette grâce, elle est sur toi ma sœur, elle est sur toi mon frère. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et Dieu nous a exaucés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exaucé, qui veut répondre un beau Amen? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Si tu as compris, Dieu a décidé d'augmenter ta capacité financière. Il veut augmenter ta trésorerie, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de récolte. Ne jeûne pas pour être béni financièrement. Sème, sème et sème. Pour la maison de Dieu, sème. Pour la famille de Dieu, sème. Pour les projets de Dieu, sème. Que ton cœur soit un cœur de semeur professionnel pour Jésus-Christ. Semeur abondant pour Jésus de Nazareth le Christ. Si tu as reçu quelque chose ce matin, lève ta main droite
et rends grâce à Dieu de ce qui t'a parlé ce matin. Rends grâce à Dieu de ce que tu as compris ce matin. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a exaucé ta prière ce matin. Il te donne un cœur nouveau, vraiment un cœur nouveau, une âme qui est disposée. Ce que tu n'étais pas capable d'avoir, maintenant tu l'as reçu par le Saint-Esprit. Ce que tu ne pouvais même pas imaginer faire pour Dieu, maintenant tu le feras. Tu te sentiras poussé par l'Esprit de Dieu à poser des actes de foi. C'est le don de la foi qui t'est communiqué pour poser des semences de foi, des actes de foi. Ce n'est pas le montant qui est forcément important. C'est le cœur qui s'engage pour Dieu. C'est le cœur généreux. C'est le cœur qui est généreux. C'est le cœur qui est généreux. Dieu est digne de louange et d'honneur. À lui appartient la richesse, la force, l'élévation, la gloire. À lui appartient la splendeur, la domination, le triomphe. Dans le nom de Jésus le Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Dieu et sa parole? Si quelqu'un a reçu quelque chose, fais entendre un amen vitaminé. La qualité de ton amen détermine le genre de cœur que Dieu t'accorde ce matin. Oh, j'ai dit la qualité de ton amen détermine le genre de cœur que tu reçois ce matin. Ah. Abraham n'a pas eu peur. Abraham a eu la foi de sacrifier Isaac. Abraham ne douta pas. Il y aura des moments où tu doutais hier, mais à partir d'aujourd'hui, devant des situations désespérées, tu poseras des actes de foi comme Abraham. Et la parole de Dieu déterminera ton destin. Et les moissons qui t'accompagneront seront des moissons abondantes. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Voilà pourquoi je te dis, tu as prié ce matin de tout ton cœur. Dieu m'a dit qu'il accorde un cœur généreux à celui qui le lui demande. Un cœur qui est animé de l'esprit de sacrifice pour celui qui le lui demande ce matin. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un amen de foi. Tu veux avoir le cœur d'Abraham. La qualité de ton dernier amen détermine le genre de grâce qui vient sur toi. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Acclame Jésus le Messie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus le Christ? À lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la gloire, à lui Jésus la louange. Pas à nous, mais à Jésus le Christ. Soit la gloire, l'honneur, le pouvoir, les actions de grâce. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le nom de Jésus le Christ? Le nom de notre bien-aimé. Le nom de celui qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie en offrande pour toi. Est-ce que tu veux acclamer Jésus de Nazareth, le Messie, le Shiloh, le plus beau de tous les êtres humains? Oh, y a-t-il quelqu'un pour rendre gloire à Jésus de Nazareth, le Messie? Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons rendu grâce au Père par le Saint-Esprit. Dis Amen.